Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un site qui m'a offert des vêtements. Donc il s'agit de Grain de Malice, ils m'ont offert un bon d'achat de 60€ pour que je puisse faire ma petite sélection et que je vous parle de ce que j'ai reçu. J'ai tout reçu dans un gros carton comme celui-ci. J'ai reçu assez rapidement, en 3-4 jours, 4-5 jours environ. Tout est très bien emballé avec du papier de soie, des petites étiquettes en forme d'étoile marquées Grain de Malice, elles sont rose gold, je vais vous montrer. Voilà, pour l'emballage. J'avais aussi une petite carte, donc c'est sympa, avec marqué plongée dans la tendance, Grain de Malice. Voici, et derrière on met la meilleure cabine est chez vous, bon essayage, Franck. Voilà. Donc ils ont apparemment une chaîne YouTube, Facebook, Pinterest et Instagram. Donc moi je connaissais pas du tout ce magasin. Ça m'a intriguée, j'ai regardé sur internet, donc déjà sur le site pour voir un peu ce qu'ils faisaient et je me suis aperçue qu'il y avait des magasins partout en France et un dans ma ville, donc rue Musette si jamais vous êtes de Dijon ou des alentours et vous pouvez aller y jeter un œil. Moi je pense que je vais aller faire un tour dans le magasin. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent aller directement au magasin plutôt que de commander sur internet parce qu'on n'est jamais sûr pour les tailles, tout ça, pour essayer. C'est compliqué, mais bon, vous pouvez toujours retourner les articles si jamais ça vous convient pas, que vous avez commandé sur le site et que vous n'aviez pas de magasin près de chez vous. Pour les problèmes de taille, il y a un petit quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur le site. Moi j'hésitais, je savais pas comment ça taillait exactement, donc j'ai pu rentrer mes mensurations et ça vous donne quelle taille il faut que vous preniez pour le haut et pour le bas. Donc j'ai trouvé ça super sympa, je me suis complètement fiée à ces indications là, j'ai pris les tailles qu'on m'a dit et tout me va, donc je suis super contente. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, vous pouvez leur faire confiance. Ce que j'ai aimé aussi sur le site, c'est le fait qu'il y a du choix, mais pas non plus en quantité extrême, qu'on ne voit plus le bout des pages là, qu'il y a 150 pages et que ça nous saoule. Il y a du choix sans que ça soit trop dans l'extrême et donc ça j'ai bien aimé aussi. Il y a un petit plus aussi sur le site internet, c'est le fait que vous avez des conseils, vous avez toute une rubrique avec des conseils de blogueuses j'imagine. Ça peut être comment s'habiller pour un mariage, ça peut être un petit article sur le trench, ça peut être comment porter des chaussures pastel, comment porter un poncho, quel type de jupe est faite pour sa morphologie. Il y a plein de petits articles comme ça, donc si vous aimez bien ce genre de choses comme moi, vous pouvez aller voir sur le site, c'est assez sympa. Donc maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai sélectionné sur le site. Donc j'ai eu un peu de mal parce que j'avais plein de choses qui étaient très belles. Donc j'en ai eu pour 60€, 78 je crois, ou 98, enfin j'ai dépassé un petit peu il me semble, mais voilà, dans les 60€. Et j'ai essayé de faire une tenue complète, voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa pour vous, voir ce que ça pouvait donner, comment on pouvait s'habiller sur ce site pour 60€. Donc pour le bas, j'ai choisi un pantalon, il est noir, et c'est un pantalon, ça fait des années que j'avais pas mis de pantalon comme ça. Je me demandais depuis quelques temps si ça m'irait, et voilà, du coup j'en ai pris un, je me suis dit allez c'est le moment. Donc du coup c'est bien, j'ai les étiquettes, donc je vais pouvoir vous donner la taille et le prix en même temps. Donc il coûtait 19,99€ et j'ai pris en taille 42. Donc moi je me disais je vais prendre 42, est-ce que ça va m'aller, ça va pas être trop petit ou voilà. Quand j'ai rentré mes indications, enfin mes mesures, on m'a dit de prendre 42 et il me va, donc je suis contente. Il est pas trop long, voilà, la coupe est pas trop évasée parce que j'aime pas trop, il a un petit peu fendu au niveau des chevilles sur le côté, c'est sympa et j'aime bien la petite doublure au niveau de la ceinture, c'est des petits points comme ça, blanc avec des petits points noirs, c'est très sympa. La qualité est vraiment très bonne, hein, y a pas de fil, y a rien. Donc j'ai plus que contente du pantalon. Pour ce qui en est du haut, j'ai choisi un t-shirt avec des perles, j'en avais pas. Et depuis qu'on en voit partout là, j'aime trop ça. Donc j'en ai pris un. Et grande surprise quand je l'ai reçu, il est tout pailleté. Il y a plein de petits fils argentés dedans, je sais pas si vous allez voir. Sur le site ça se voit, ah oui on le voit un peu. Sur le site ça se voyait pas du tout, mais moi je suis assez contente. C'est un t-shirt assez fluide avec voilà, une coupe assez fluide, un petit col en V, enfin ouais en V mais assez arrondi.
J'aime beaucoup ce genre de t-shirt. Et je le trouve vraiment super beau, il me va bien. J'ai pris en taille M. Il existe jusqu'au XL. Et il coûtait aussi 19,99€. Et il existait qu'en gris. Pour mettre avec le pantalon, j'ai pris une ceinture que je trouvais trop belle. J'ai pris en 42-44. J'avais peur que 38-40 ça soit trop petit, étant donné que je vais prendre du 42 en pantalon. Et en fait, elle est trop grande. Bon, il suffira de refaire un trou dans la ceinture. Mais voilà, je ne l'ai pas encore fait parce que enfin, je ne voudrais pas me louper. Elle a un petit détail au niveau des passants, c'est plein de petits passants comme ça, de différentes matières. Il y a des pailletés, il y a des un petit peu métallisés avec des petits points de plusieurs couleurs comme ça. Vous voyez, je les trouvais vraiment super beaux. On ne voyait pas qu'il y en avait autant sur la photo du site, mais je suis très contente. Elle est vraiment très jolie, elle n'est pas très épaisse, elle passe dans les passants du pantalon. Donc c'est super, et voilà, je suis très contente pour cette ceinture, elle a l'air de très bonne qualité. Donc comme je vous ai dit, c'est du 42-44, et elle coûtait 9,99€. Et pour finir, bien sûr, j'ai pris un sac à main, hein, quelle serait... La tenue ne serait pas une tenue s'il n'y avait pas de sac à main, et moi j'adore les sacs à main, il y en avait des très jolis sur le site, comme les ceintures, il y en avait des très belles. Et j'ai opté pour celui-ci qui était à 11€, donc du coup ça tombait pile poil dans le budget. Donc voilà, il est noir, il est de très bonne qualité. J'ai pas l'étiquette, je sais pas si elle est tombée au fond du carton, je la vois. Mais on dirait du cuir après. Je renifle. Je sais pas si c'en est. La ceinture, en tout cas, c'est marqué que c'est synthétique. Là, comme j'ai pas l'étiquette, je peux pas vérifier. Alors, sur l'étiquette à l'intérieur, on nous dit que c'est 100% synthétique et doublure 100% polyester. Mais en tout cas, ça fait très vrai. Il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Sur la photo du site, il faisait un peu plus plastique qu'en vrai. En vrai, il est vraiment très joli. Il y a des beaux dessins dans le sky. J'aime beaucoup les petits œillets, donc vous en avez des plus gros en bas. Et puis sur les lanières, vous en avez aussi des plus petits. Et c'est vraiment super, super joli. Je le trouve vraiment très beau. Dedans, vous avez deux pochettes un peu pour mettre du téléphone. Voilà, elles sont un peu plus larges, mais moi, mon téléphone tiendra très bien dedans. Et de l'autre côté, vous avez une pochette zippée. Et le petit détail que j'aime bien, c'est un petit pois blanc sur du noir. Il se ferme avec une fermeture éclair. Et vous pouvez ajouter une lanière plus grande si vous préférez. Mais comme celle-ci, les hanches, elles sont déjà grandes, on peut facilement le mettre sur son épaule. Donc moi, je ne vais pas l'ajouter, parce que je ne les ajoute jamais, ça. Mais c'est quand même pratique, on sait qu'on les a et on peut les ajouter. Et si ça vous intéresse, voilà, vous savez qu'elles sont vendues avec. Donc voilà, c'est tout pour le test des produits Grain de Malice. J'étais très contente de les tester. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous avez un magasin près de chez vous, si vous avez déjà entendu parler, si vous avez déjà acheté sur le site ou en magasin. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.